Salut tout le monde, bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez rapide sur un serveur, c'est Minecraft.2 .de. Aujourd'hui on se retrouve sur le mini-jeu que j'adore sur ce serveur Minecraft Maker. Donc cette vidéo va être assez courte. C'est une simple présentation du nouveau. Donc si vous le cherchez, en fait j'ai le rename parce que c'est pour Furious Jumper. Rename Furious Mario Boss Remix. Voilà. Attends. Un remix, je vais chercher ça. Je vais chercher ça, tout simplement. Pourquoi ça... Ça marche pas? Donc, il faut que... Peut-être que je... Save? Peut-être qu'il faut que je... Ok, ça a bugué. Bon, pas grave. Au pire, vous serez capable de le tester. Donc en fait, c'est très simple. Vous devez arriver à la fin, comme dans Mario. Vraiment, c'est un remix à ma façon. Donc les diamants sont des sous. Les potions de soins, bon, c'est la seule. Sont les champignons. Je vais pas le jouer parce que après j'ai le cloud. Donc moi ça va être Mario Bros Remix. Je suis pas sûr. Au pire sinon je referai une vidéo. Je vais sûrement faire une update. Donc ici c'est pas un tuyau décoratif comme la dernière fois. Ici vous pouvez utiliser la 3D. Et quand vous allez sauter dedans, vous allez entrer en souterrain. Donc ici, c'est quand même assez simple. Vous battez les 5 zombies. Mais je vous dis, quand vous descendez en bas, vous allez combattre un seul zombie. Vous allez perdre des dégâts. Vous allez perdre des points de vie ici. Mais vous allez avoir 5 diamants. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que de toute façon, je pense pas que vous allez être capable de faire ça. Parce que vous pourrez... Il va vous attaquer. Ici, vous allez avoir les 5 diamants. Et quand vous allez faire ça, plouc! Donc je vole pour que ce soit plus rapide. Et voilà. Donc vous êtes arrivé là. Et vous montez là. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment. C'est en fait... Regardez, on voit déjà le beacon d'arrivée. En fait, je vais prendre les élytres. Trop pour les personnes qui jouent en anglais. Et je vais... Non, c'est pas comme ça parce que ça, je viens juste de voler. Tac tac. Non. Vraiment, que tu sprintes. Voilà. Donc, je suis arrivé. Maintenant, je vous dis, s'il vous plaît, enlevez les. Bon, en fait, ça dérange pas vraiment. Oh, oui, ça dérange parce que ça vous donne de la protection. Donc, s'il vous plaît, enlevez-le. De toute façon, c'est assez facile de faire le boss final. Que j'ai pas encore fini. Il faudrait que je le rajoute. C'est une sorte de buzzer. Et... En fait... Je me demande... Si... J'ai fait exprès... Qu'il y ait du bon stuff. C'est... Je vais prendre mon squelette parce que... Il est comme un petit peu comme buzzer. Parce que buzzer... Oh...
Donc voilà. On a un squelette. Tu m'as bien dit, mais je pense plus que je préférais y avoir des zombies. Parce que ils vont être. Je vais en mettre plus. Oh! Regardez-le! Il est en or. Celui-là, on l'efface, celui-là, on le garde. Donc, il va. Donc, j'essaie de la. De. Bon, pas grave. Il va déjà être assez difficile. Et là, c'est ce que j'aime le plus dans ce niveau. C'est que ça tue le buzzer à la bonne vieille façon Mario. Donc pour les personnes qui la connaissent pas, cette fameuse bonne vieille façon Mario, c'est dans les premiers Mario, je pense que c'est le premier dernier niveau, en fait le dernier niveau du premier jeu. En fait, tu appuyais sur une hache ou tu passais près et ça faisait tomber, donc là c'est la hache, ça faisait tomber le sorte de pan, la sorte de pan, et le bonzo tombait et il mourait. Et t'avais gagné le jeu. Bon, c'était assez difficile de voir cette animation parce que, quand même, t'avais pas de sauvegarde. T'avais pas de sauvegarde, donc tu passais à peu près. Tu passais très longtemps pendant une journée. Alors, ça. Si tu voulais simplement faire une pause, il fallait que tu branches ta console et tu la laissais ouverte pendant assez longtemps. Pendant toute ta pause. Et déjà ça, c'était assez difficile. Il fallait toujours que tu sois un petit peu actif. Parce que sinon, ça allait tomber en veille. Et tu allais perdre sa sauvegarde, je crois. Mais de toute façon, quand tu mourrais, on mourrait. T'avais perdu complètement. En passant, ça l'a pas freeze. Je suis encore actif, seulement à cause que je vous parlais dans ce Mario. On en profite quand même pour parler un petit peu plus. Je comprends pas complètement la chose. Donc voilà. Quand vous avez battu Bowser qui va tomber, vous allez. Attends, j'ai aussi. Oh, une chance que j'ai pas touché. Oh, j'ai stressé. Okay. Désolé, j'ai stressé. Parce que si j'aurais. Bien sûr, j'aurais été dégoûté. J'aurais été dégoûté au max. Donc, en fait, normalement, vous allez peser là-dessus, ça va ouvrir. Et voilà. Ça va pas mal être terminé. Après, ça va ouvrir la porte. Vous en allez. Ou en fait, je fais tout simplement. Ouais, ça sert à rien. Au pire. Mais tout simplement un bouton. Voilà, le bouton qui fait plaisir. Attends, je vais mettre le bouton en bois. Parce que ça dure plus longtemps. Donc voilà. Après ça, vous allez tomber là. Tu veux me dire si t'es un gars ou t'es une fille. Tu fais même un mâle. Et tu choisis ta chose par rapport à ton sexe, parce que sinon ça devient un petit peu bizarre. Donc ici, si je suis un gars, je vais avoir Princesse Leda, parce que c'est quand même une référence. J'ai envie de l'envoyer à Feuille, je sais pas. S'il trouve, je vais lui poster le niveau, peut-être. Et voilà. Ici, imaginons que c'est une fille, c'est le prince Ted. Et là, t'arrives là. Thanks for please. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez like? Merci de like. Attends. S'il te plaît, like. Tu joues comme ça. Merci d'avoir joué. S'il te plaît, like. Donc, c'est un petit peu le sexe, c'est normal. Ici, tu as le fameux gâteau. Je crois que tu as un gâteau dans Mario 64. Je suis pas complètement sûr. Mais il y a un des jeux Mario, je crois, où à la fin, tu gagnes un gâteau. Je suis plutôt sûr que... Ouais, Mario 64, c'est un bijou. Bref, c'est un des... un des jeux Mario. Donc voilà, c'est la balise. Et là, c'est le moment où on va l'uploader. Donc, on va être capable... C'est même play level. Donc, on play. Donc voilà. On prend le diamant. Donc, je prends tout. Ici, t'es capable de... essayer. Tu vas être capable de... Bon, c'est un petit peu difficile. Je vous le dis. C'est pas gagner d'avance. C'est pas si facile que ça. Gagner niveau. Donc, c'est... Attends, je vais faire la musique. Dégagez les Goombas, vous puez. C'est ça le problème. C'est qu'ils vont. Oh, au pire, en fait, tu les fais suicider. Et. Je vais les contourner. Voilà, suicide-toi. Les Goombas, ils puent. J'espère que ça va pas. Ça va être comme ça au combat final. Contre le dernier, le Bowser. Hey, come there. Voilà. Je vous pousse. Voilà, ils sont tombés. Donc on s'est débarrassé. Au pire, on s'est battu contre eux de toute façon. Oh, ok. En fait, là, vous êtes en sauteur. Je change la musique. S'il te plaît, prends pas l'épée en bois. Bon, je pense que t'as besoin d'épée en bois, mais je vais apprendre quand même. Et là, je prends mon champignon. Pour voir du champignon. Mignon. Je prends les diamants. Et je pars. Voilà. On est arrivé. Bon, on n'est pas arrivé à la fin du niveau. Donc, on va prendre les électras. Oh, mais... Tu mens. Merci. Voilà. On va prendre le premier diamant. Je prends mon champignon. Vraiment, j'espère que vous avez aimé le niveau. Parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps à le faire. Et en même temps, c'est... J'espère que c'est assez travaillé pour vous. Parce que quand même... Un nouveau Mario. Allez, tombez tous. Et moi je saute. Et je vous troll. Et tu vous aimes. Tu... Bon, je fais une ellipse. Au moment. Jusqu'au moment où que je vais réussir le niveau. Ellipse. Donc, on se retrouve. Au stade où on se bat contre le Bowser. Et j'ai avancé les 8. Et bon. Vous n'êtes pas obligé de tuer les 5 zombies. Et je vous permets de faire attention à une chose de triche. Si vous êtes une moumoune. Non, pas une moumoune.
Mais si vous avez pas envie de recommencer tout niveau, je vous permets de tout simplement, et oui, de quand vous avez passé le stade des 5 zombies, il va avoir la genre de barrière et le tuyau. Vous pouvez entrer dedans et en fait, peut-être aller chercher l'épée en bois. Je permets ça. C'est pas trop de la triche pour moi. Mais là, je vous présente la chose qui m'a pris le plus de temps. Faire ça. Le combat final. Donc, en fait, vous êtes capable de faire votre tug. Passer la chose. Bon, je me suis fait. Donc, je vais tout vous montrer. C'est comment c'est pas de la triche. Je l'ai utilisé la dernière fois. Et je vous le permets quand même. Vous êtes mes abonnés. Mais pour utiliser cette technique, vous devez vous abonner à ma chaîne. C'est obligé. Donc vous n'êtes pas obligé. Je permets d'utiliser cette technique par tout le monde. Mais voilà. Tuez-vous tous. En plus, le pire, c'est qu'ils se poussent. Donc, regardez. Au pire, il faut que tu tapes sur le dernier. Comme ça. Il va les pousser jusqu'à la mort. Et comme ça, tu t'en fous totalement de la personne. Voilà. Viens ici. Viens ici. Et vous devriez voir ma face actuellement. Moi, je suis en train de rire. Bon, ok. Je passe le stade. Si vous êtes capable de faire ça, je l'autorise. Et en même temps, j'autorise tu sais, ce code triche. Vous entrez. Je permets ça. C'est pas trop de la triche. Je permets. Vous avez le droit de prendre les diamants. On s'en fout. Parce qu'à la fin, en fait, il sert pas mal à rien. Vous avez le droit de les prendre. Voilà. Je prends mon épée en bois. Mais j'espère que je vais pas me faire tuer au niveau des étapes. Quand même. Parce que moi, j'ai la difficulté à faire le niveau de l'état. Regardez, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu au niveau. Voilà. On est rendu. Je prends. Il va faire 13 diamants. Et maintenant, je tue le grand boss. Et non, des moindres. Voilà. Et je le tue! Donc, pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'il y aura. Il y aurait. Un problème? Pourquoi ça marche pas? Dis-moi pas que. Que. Oh merde! Dis-moi pas. Attendez, j'ai le build. Attends, je vais le faire en rush. Parce que là, je suis étonné que ça marche pas. Parce que moi, j'ai déjà fait un niveau et ça marchait quand la personne faisait comme le genre d'affaire. Peut-être. Oh, regarde, je bug. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause c'est compté pour une entité et que quand il y a trop d'entités. En fait, ils disent comme quand il y a trop d'entités, ils vont pas apparaître. Donc, peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais j'aurais cru que ça aurait marché. Je vais tester après. Ok, pas grave. Je suis mort. Je vais essayer de l'éditer. Mais est-ce que je suis capable de level edit. Est-ce que je suis capable de faire ça? Level action. Action edit.
Attends. Ouais, voilà, il est là. Exit level. Ok. Je suis comme ça. Mais je sais pas pourquoi. Ça marche pas. Ok. Parce que là, normalement, j'aurais cru que ça aurait marché. Bon. Ellipse. Au moment où j'aurais trouvé le problème. Voilà, je crois avoir trouvé le la chose. Ce qui a réparé. Parce que j'avais pas bien pointé l'endroit pour les TNT. Donc, normalement, si je pèse, bon, ça m'étonne pas parce que j'ai pas fait le bas. Mais imaginons, je fais ça, et c'est une gars ou une fille. Bon, là, donc je vais dire un gars. Donc voilà, Princess Teda, parce que c'est pour Fire Jumper. Voilà. Donc la chose est prête. Mais il faut juste que je finisse l'affaire. Mettre le bas. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc en fait, j'ai utilisé des répétiteurs. Donc je prends. Il faut que vous preniez des choses comme ça. Vous prenez les répétiteurs. Voilà. Mais vraiment, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Parce que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. C'est quand même simple savoir. Parce que là, au début, j'avais lu une chose de Redstone qui disait je pouvais pas activer un système de Redstone sans le pointer vraiment ou que je veux qu'il se mette. Et je disais oh, c'est tellement stupide. Je connais ça depuis tellement longtemps. Et là, je viens juste de l'oublier. Mais c'est la première fois que sur un serveur, je trouve un jeu comme ça. Qui permet de créer ses propres niveaux. Et ça, vraiment. En plus, ils ont appelé ça Minecraft Maker. Donc là, il est écrit 44 sur le genre de choses serveur. MC Maker 44. 44, c'est seulement le nom du serveur. Donc, MC Maker 44. Donc, c'est le 44e serveur. Donc, je vais le tester et le sauvegarder. On va le tester ensemble. Désolé si vous avez mal entendu. Pendant un certain moment, c'est pas ma faute, c'est à cause que j'avais rétracté mon micro alors que j'enregistrais tout le temps. Donc j'ai essayé d'arranger ça pas montage si c'est possible, bien sûr. Donc voilà, je pense que je vais faire un accéléré. Donc je me retrouve à la fin du niveau. Et on va peser sur le bouton. Dégage, Bowser! Il est tombé! Yeah! Nous avons gagné le cœur de Princesse Teda pour moi. Donc là, vous voyez bien que ça a tombé. Et voilà. Donc, je paie. Quel est ton genre? Donc, je suis garçon. Voilà, c'est Princesse Teda. Bon, si vous êtes une fille, ça me tente pas, il y a quand même beaucoup de filles qui jouent à Minecraft. Ce sera Prince Ted, mais je suis un gars. Donc, merci pour avoir joué. S'il te plaît. Bon, je peux. Voilà. Merci d'avoir joué, s'il te plaît. Like. Donc, on a le drapeau que je vais peut-être changer en vert. Voilà. Donc on a gagné le niveau. Et publish level. Le publish. Et voilà. Je vais. Voilà. Il a été publié. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like. Ça ferait super plaisir.
N'oubliez pas le petit like. Le petit like aussi sur mon niveau. Et j'aimerais l'abonnement, ça ferait super plaisir. Et simplement, à la prochaine chaîne. I5.